Nous étions au mois de décembre. Un moment assez intense à l'atelier, qui s'amplifiait au fur et à mesure que Noël approchait. Dans la grande salle, Massoud donnait à Païs les dernières nouvelles concernant l'affaire du faussaire. À cette époque, nous n'étions pas encore allés le confronter. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je pense qu'il faut aller le voir et dissuader de son activité. Ah, le dissuader ? Bah oui. Vous comptez pas l'agresser ? Bah en fait, on est malheureusement limité par le siècle dans lequel on Oh, c'est à ce moment-là que j'entendis une musique étrange. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe derrière là ? C'est Monsieur Tandel. Il est probablement en transe, en train de couler un buste noir. Sachant c'est normal. Qu'hier, quand il était là, il n'était pas très timide de sa danse. Et oui, oui. Wow. À mon avis, là, il va. Vous voir ce que vous voulez surprendre en train de. Massoud, on peut aller jeter un œil sur ce que fait Monsieur Tandel ? Ça fait un peu peur quand même. Si, voilà. Personne. Ça se passe ? Ça se passe plutôt bien, ouais. Très bien. Courage à vous, Monsieur Tandel. Massoud, parle-moi de cet endroit. Alors, cet endroit, ça peut paraître contre-intuitif, mais l'inspection du travail a validé. Cet endroit est appelé le goulag. C'est là que sont collées les statues noires, parce que les pigments noirs contaminent tout l'atelier, c'est terrible. Donc là, il y a Monsieur Tandel qui est isolé, il fait extrêmement chaud. Qui est noir, il y a de la sueur de Monsieur Tandel partout. Et pourquoi c'est vous qui êtes au goulag ? Vous vous rendez pas compte le niveau de courage qu'il faut pour être ici ? Les autres en ont trop peur, hein. C'est trop exigu, ils sont pas à l'aise. Il n'y a pas de réseau et donc la personne qui est là, elle est coupée du monde. Vous n'avez aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, vous êtes privé de tous vos sens ici. Je n'étais jamais entrée dans le goulag avant. J'avais l'impression que pour y mettre les pieds, il fallait être solide mais pas trop y penser non plus. J'avais du mal à imaginer quelqu'un passer des heures entières ici. Monsieur Tandel, là, vous démoulez le premier buste de Victor Hugo au noir. Waouh, impressionnant, il est magnifique. Pour un premier Victor Hugo noir, je suis plutôt content. Bon, où sont vos frères ? Bah, je sais pas, on va aller les trouver. Monsieur Tandel, il voulait vous montrer quelque chose. Il est vraiment épique. C'est tellement puissant. C'est énorme. Pourquoi est-ce que toutes les statues, on les fait en noir ? On fait pas toutes les statues en noir. Jeanne d'Arc, on la fait pas en noir. Voilà. Pourquoi on fait pas Jeanne d'Arc en noir, Missor ? J'ai jamais eu le sentiment que c'était bien. Et c'est quoi ce sentiment exactement ? Une intuition. Ça pourrait être mal interprété. N'importe quoi. Mais non, mais Jeanne d'Arc en noir, elle serait tellement puissante. Une fois, il y a un homme d'église qui nous a contactés. Il nous a demandé qu'on efface ce Jeanne d'Arc en noir. Et il a dit pour rappeler le côté carbonisé. Alors moi, je faisais pas référence à ça, mais une Jeanne d'Arc en noir, ce serait tellement magnifique. Tu penses pas ? Tu veux pas ouvrir un petit peu ton esprit à cette éventualité ? Bon, en fait, vous en avez rien à faire de ce que je dis, vous êtes là sur votre beurre, non, moi, là. C'est bon, Jeanne d'Arc en noir, vous en pensez quoi ? J'aime pas l'idée. Ah ouais, ouais. Bah, c'est surtout une intuition. En fait, Jeanne d'Arc, c'est un ange, un peu. Or que Victor Hugo, pas du tout. Bon, c'est vrai. Personne ne trouve de charme à l'idée d'une Jeanne d'Arc en noir. Aucun charme. Aucun charme. Aucun. Il y avait pas plus de beurre ? Non. Aïe aïe aïe, parce qu'avec le beurre c'est incroyable. Mais Volbou, si tu tiens absolument à faire ta Jeanne d'Arc en noir, tu ouvres ton atelier de sculpture, tu fais ta statue de Jeanne d'Arc et tu la fais en noir. Mais pas dans mon atelier. Bon bah très bien, j'ai jamais vu des gens aussi hostiles, mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude en fait. Bon, comme d'habitude, ici on se goinfre de choses vraiment pas recommandables. Et de l'autre côté de la table, il y a toujours un homme silencieux qui nous regarde. Sans montrer son mépris, mais toujours avec une sorte de distance. C'est la distance du mépris. Cette scène arrive tout il le temps. Il a toujours un petit brocoli derrière l'oreille. Massoud, là, il n'y a plus de beurre, je crois. Oh mon Dieu. Non, mais il nous faut du beurre. Comment on fait ? Si tu veux, je vais acheter du beurre. Si, on... si tu me laisses faire une Jeanne d'Arc en noir, on peut aller acheter du beurre. Hors de question. Pas juste.
Monsieur Tindel! Monsieur Tindel! Monsieur Tindel! Je voulais pas vous le dire devant les autres, mais est-ce que ça vous irait si on trouve une manière de couler une Jeanne d'Arc noire et on le fait en cachette? Personne ne doit savoir. Lundi, j'embarque un moule avec moi dans le goulag. Bah non, mais il faut qu'on en fabrique un. Je vais utiliser un vieux moule. Ah, on peut faire ça? Je peux faire ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des vieux moules de Jeanne d'Arc? Bah, ceux qu'on coulait différemment, sans le balancer en dessous. Sans le quoi? Sans le balancer, c'est la pièce de... Ok, c'est trop technique pour moi, je comprends. Mais en gros, on peut faire ça. Oui, c'est faisable. Personne ne doit savoir. Très bien. Ok. On se met d'accord là-dessus. Super. Bon, à lundi. Allez, à lundi. Maintenant, il fallait que je trouve une auréole avant lundi. Et nous étions vendredi soir. Combien d'auréoles il vous reste? 4 auréoles. Il vous reste 4 auréoles. Et 5. Et ensuite, vous en avez plus? Après, j'en ai plus. Et d'accord, très bien. Vous voulez compter quoi? On peut pas vous en voler. Non. Si on cherche les auréoles, faut aller voir... Monsieur Bonneau. Monsieur Bonneau. Je vais aller voir Monsieur Bonneau. Ça veut dire qu'il travaille pas assez. C'est pour quel... On m'a dit que c'était vous qui faisiez les auréoles et qui les donniez au compte-gouttes. Oui. Et je voulais savoir... si vous pouviez m'en donner une. Oui. C'est vrai? Oui. Bah, je vais en prendre une alors. Il y a un peu de travail, un peu de meulage. D'accord, donc Massoud, il les coule, il vous les donne dans un état assez rustique. Très rustique. Très rustique. Wow. La fin sortira à peu wow. près comme ça. J'approche, mais j'ai les yeux fermés. On meule, on polie, il y a un deuxième round de soudure et après rebelote. Jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ok. Vous en avez besoin pourquoi? J'aurais pas dire à Missor que vous m'avez donné une auréole. Pourquoi? Bah en gros, je veux faire une expérience avec laquelle il est pas d'accord. Je veux faire une Jeanne en noir. Et en fait je compte sur le fait que l'objet soit spectaculaire. Qu'est-ce que vous faites là? On doit partir? Ça, non mais ça c'est celui qui vient de le trouver. Non. Mais vous avez vu là les sourcils, hein, vous avez vu la complexité de la zone. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? On doit faire la césure dans les sourcils. D'accord. Et vous allez rester là? Non, non. Ouais. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on disait? J'ai saisi le projet du coup. C'est de faire une Jeanne en noir tellement belle. Ouais. Que Missor va être transcendé par l'objet et ne pourra plus argumenter. C'est possible, hein? Vous allez lancer une production de Jeanne? Non, je pense pas que ça ira jusque-là. Je pense que c'est une expérience qu'ils voudront pas réitérer. Surtout, vu qu'on arrête le plâtre, on va pas commencer à faire... Enfin voilà, vous savez tout, mais du coup, pas un mot. Ouais, c'est vrai. Waouh. Attendez, je vérifie juste qu'elle coupe pas. Ah, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pourquoi t'es pas à l'école? Parce que c'est les vacances. D'accord. Il est où, monsieur Tindel? Dans la grotte. Le sale. Est-ce que tu peux aller lui donner un papier? Yael, tu vas donner ça à monsieur Tindel. Parce que c'est secret, personne ne doit lire ce qu'il y a écrit dessus, d'accord? Vas-y Miel, je te fais confiance. Miel, non! Non! Il est en train de dormir. Ok, Miel, reviens. Reviens! Non! Non, Miel, reviens! Faut pas qu'il voit! Miel, t'as failli le donner à quelqu'un d'autre? Oui. Rends-moi le mot. On va attendre que Monsieur Tindel se réveille. Personne d'autre ne doit voir ce mot. D'accord? Personne.
Si Monsieur Tindel ne prend pas le mot, tu reviens me le donner. Vas-y. Là, il y a personne. Non, il y a personne. C'est l'heure. Je vous donne l'auréole. Bougez pas. Super. Voilà. Merci pour les documents. Je vous laisse. Je vous en prie, n'oubliez pas de les signer. Je vais me documenter. Très bien, documentez-vous bien. À plus tard. Ce moule-là a été mis sur le côté. Je vais nettoyer, je vais préparer. Je vais y glisser les documents que vous m'avez donnés. Eh oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Tindel? On discute. Non, non, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous ai devancé, j'ai des informations top secrètes. Ouais. Je vous rappelle qu'elle a fini brûlée. Hein. Oh, c'est pas vrai, vous m'avez trahi. Non, en réalité, pour être tout à fait honnête, j'ai juste demandé de l'aide à monsieur Paolino. Non. Mais lui et moi avons un pacte désormais. Waouh. Écoutez, je pense que là, toute l'opération est un risque. On se doit prendre des risques. C'est vrai que Missor va un petit peu m'en vouloir. Ouais. Bah, je sabote son autorité, je n'en fais qu'à ma tête. Non, on est d'accord que derrière tout ça, c'est le cerveau. Hein. Moi, je suis les bras. Hein. Ah, d'accord, je vois. Ah oui, vous voulez pas tomber avec moi. Non, mais y a pas de souci, je compterai pas sur vous pour assumer cet acte de rébellion. Bah, si la rébellion se passe bien, vous pouvez compter sur moi. Ah, si elle se passe mal. Pas mal votre technique pour vous laver. Ouais. J'ai hâte. Seigneur, je tremblote. Oh, c'est une maître classe. Waouh. C'est incroyable, on est d'accord? C'est incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Donc dans 2-3 jours, je peux la faire retoucher. Oui, je pense. Mais maintenant, il faut bien la cacher pour qu'elle sèche, à l'abri des regards indiscrets. Bah écoutez, monsieur Tindel, mission accomplie, merci. Païs. Païs. 3 jours plus tard, le soir venu, je pouvais enfin demander à Païs de retoucher et peindre la statue. Donc Massoud l'aurait coulé en cachette? Non. Monsieur Tindel. Oui. Là, non. Oh, je la vois. Elle est belle. Donc en gros, j'ai besoin que tu la retouches et ensuite on la donnera à la dorure. Tu peux faire ça discrètement? Ouais, ouais. Donc Massoud n'est pas au courant, Missor n'est pas au courant. Ah ouais, d'accord. Donc ils ne sont pas au courant. Oui.
Païs ? Oui. Là, il y a Banaf chez Ophéz en dorure. D'accord. On peut peut-être leur donner la statue. Ok, on y va. Elle est sèche ? Oui, elle est sèche. Ok. Tu vas la chercher, là ? Oui. Ok. Je vais aller les voir. C'est pas la statue, c'est... Ok. Vous faites quoi ? Ben, on travaille. Je me demandais si vous pouviez me rendre un petit service. Dis-moi plus. Je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre. Qu'est-ce que tu fais ? Viens. Viens, Paris. Viens. Je peux voir ? Oh, c'est trop bizarre. Waouh, c'est impressionnant. C'est hyper triste. On dirait qu'elle sort de... du crématorium. Exactement. Non. Exactement. Ça veut dire que c'est pas bien ? Bah, elle revient d'entre les morts, en fait. Donc c'est pour ça que Missar, il voulait pas que je la fasse. Non, mais parce qu'il est pas au courant qu'on passe d'abord en enfer pour aller au paradis. Waouh. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? L'adorer ? Bah oui. Ouais. Mais en fait, avec cette couleur d'auréole, c'est trop beau. C'est vrai. Je me demande si avec une auréole bien dorée comme ça, ce sera beau. Là, c'est vraiment beau comme ça. Ah. Moi, ce que j'aurais trouvé encore mieux, ce serait de l'or argenté. J'en ai. C'est vrai ? J'en ai. Ah, c'est intéressant. Comment ça se fait que t'as ça ? On devait faire un test avec une couronne argentée. Est-ce que vous pensez que c'est bien ? Mais wow, peut-être, ouais, oui. Ouais, vraiment, oui, ouais. Beaucoup plus que le doré. Doré, c'est trop joyeux. Assez, ouais, c'est joyeux, ça perd le... Alors, on va la faire en argenté. Oh, ouais. Or, 6 carats, teinte grise. Argent, c'est celle-là. C'est inédit, j'adore l'inédit. Inutile de vous dire que tout ça est secret. C'est quoi l'histoire derrière ça ? L'histoire, c'est que à un moment, j'ai demandé à Missor si c'était bien de faire une Jeanne d'Arc noire et il a dit hors de question. Donc tu l'as fait. Je l'ai fait. Bon bah voilà, vous savez tout. C'est trop drôle. Au travail. Très bien. On y pense, c'est vraiment fou. L'or, c'est un métal. Oui. Et c'est le métal le plus souple qui existe. Oui, c'est incroyable. C'est vrai. Et oui, le plus malléable. C'est le métal le plus souple qui existe. Ouais. Qui va là ? Yamassoud. Putain, Yamassoud. Est-ce qu'on peut la cacher ? Est-ce qu'on peut la cacher ? Est-ce qu'elle est prête, en fait ? Je voudrais pas la cacher. Qu'est-ce qui se manigance ? Mais rien. Pourquoi tu... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu ressens là ? Quand tu la regardes comme ça ? Un malaise. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on va avoir des problèmes, Massoud ? Vous allez avoir des sérieux problèmes. Est-ce que vous pouvez préparer vos cartons ? Mais pourquoi vous avez fait ça ? C'est toi, Golbou. Bah. Mais je savais qu'il se passait quelque chose de bizarre. Qui est le premier qui a accepté ton idée ? Bah, Monsieur Tindel, mais il avait pas le choix. Après, j'ai perverti Monsieur Bono pour l'auréole. Ensuite, j'ai appris que Monsieur Tindel m'avait trahi et l'avait dit à Monsieur Paulino. Ensuite, j'ai découvert que Monsieur Bureau l'avait trouvé par hasard pendant qu'elle séchait. Quoi ? Donc tout le monde était ensuite... au courant. Oui. Massoud, tu vas où ? J'arrive. Non, Massoud ! Attends, Massoud ! Non, mais... Massoud, attends. Attends, on n'était pas prêts, là. On pensait pas que... Mais non, mais il va finir par savoir ou pas dans votre plan ? Oui, certainement. Ouais, c'est bon. Mais peut-être pas comme ça. Missor ? Quoi ? On se demandait si t'allais bien ? Oui. Bah ça bon alors, il peut s'en aller maintenant, Massoud. Quoi ? Ben viens ! Apparemment, tout le monde veut te dire quelque chose qui est pas si important que ça. Quoi ? Golbou. C'est vraiment beau. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Massoud ? Tu voudrais qu'il m'engueule, c'est ça ? Qu'il a coulé.
Monsieur Tindel. Tindel l'a coulé. C'est toi qui lui as dit, Golbou? Oui. Donc tu retournes tout le monde contre moi. Moi, dès que je l'ai su, je suis venu vous voir. Non mais Golbou, tu vas aller au cachot hein, pour ça. C'est pas grave, je pense que ça valait le coup. T'es au courant? Bah ok, très bien. Parce que des fois, il faut briser les règles pour arriver à faire quelque chose de beau. Donc oui, c'est vrai, c'est très beau. Mais tu vas aller au cachot. J'ai peut-être brisé les règles. Mais briser les règles, c'est indispensable dans notre atelier.